en délégation américaine qui est pour entrer dans le pays hein, pour venir chita parler avec différents et protagonistes pour connaître qui ça qu'a fait dans crise là déjà bail proposition yo mais nous bien regrette que nous pas arrivé parler avec sénateur en dans opposition institutionnelle là en dans secteur démocratique là et en dans alternative consensuelle là nous présenter des fondamentaux auxquels nous attachons dans la bataille ça. D'abord, c'est le départ de Jovenel. Ensuite, c'est la mise en place d'un gouvernement de transition avec une taille réduite de 14 ministres. Ensuite, c'est la conférence nationale souveraine et l'organisation des procès des crimes financiers. C'est ça, nous attachés. Nous ne pouvons pas entrer dans un courant rapide à l'entrée dans l'élection. Parce que c'est toujours comme ça. Chaque fois, le peuple prend la roue. Chaque fois, son petit crise là. Vivez nous au niveau élevé, je toujours casser là avec l'élection. C'est comme si nous avons un petit monde qui grand goût, nous voyons l'élection devant nous, et puis nous prenons papa nous voyons faire devant nous manger. Nous disons non, nous ne pouvons pas accepter aucune puissance, aucun pays quel qu'il soit, une imposer un agenda pas là, dans la crise là. Pour ça, pour véritablement nous chita comme peuple, en tant que conférence nationale là, pour nous poser les problèmes économiques de ce pays, les problèmes sociaux auxquels le pays a fait face, les problèmes environnementaux qui ont dépassé le pays. Quoi de problème ça a posé, nous ne pas quitter aucune puissance d'une escamotée pour ce sujet-là, pour conduire une élection, pour nous remettre nos pouvoirs ou ensemble de monde qui n'a pas senti que c'est un agenda qui est lié à intérêt population, à revendication population. Mais est-ce que nous sommes prêts pour nous chiter avec la délégation ça pour nous dire mais qui ça nous pense? Adresser et tenter ensemble une solution pour sortir de la crise ça nous la donne depuis tantôt 200 ans. Mais sénateur, est-ce que nous-mêmes, dans l'opposition, dans le monde qui est signé alternative consensuelle, là, est-ce que nous sommes prêts pour nous rencontrer la délégation ça et puis dire mais qui ça nous pense de crise là? Allô, Vladimir Désir. Oui, vous t'avez très bien? Non, comme tout que sénateur a pratiquement couru monter la machine ni parce que manifestation presque allait quitter lui pour raison sécuritaire. Le sénateur a obligé de monter la machine ni l'aller parce que l'espace côté lié, il n'y a pas l'idée qu'il va vraiment sentir que lui en sécurité, Vladimir Désir. Bien d'accord, merci Pierre Benz Placide. Bon, bien regret que nous n'avons pas un sénateur avec nous pour nous définir, épuiser et questionner ça sur une délégation américaine qui est pour entrer dans le pays. Hein, pour venir parler avec différents et protagonistes pour connaître qui ça qu'a fait le président et déjà par proposition. Mais nous bien regret que nous n'avons pas arrivé parler avec le sénateur. Mais quand Pierre Benz Placide, vous allez dans la manifestation pour le consigner, ouais, comment ça a déroulé? Oui, moi pratiquement après aller en la manifestation, c'est moi qui représente le sénateur. Yuri Latortu, pour me dire que. Est-ce que Yuri Latortu avant là? Non. Regardez, pour me dire tout, c'est des cartouches qui ont été estirées là. Nous, il veut. Nous avons fait aller pour nous, nous avons fait un monde qui a été. Nous avons fait arriver pour moi, ça a gagné parce que j'ai un tal capturé au niveau de Delma 95. Voilà. Oui, c'est ça même au niveau de Delma 95. Des balles capturées. Pierre Benz, abritez-vous. Les militaires obligés, couchés à terre. Abritez-vous, oui, Pierre Benz, abritez-vous. Oui, nous avons essayé de mettre nous en couvert et puis pour nous capables de faire téléspectateurs, radio, télévision, vivre, ce qui s'est passé là. Pierre Benz, possible. Nous apprenons à un journaliste qui tape une balle dans le pied et c'est vérifier ça pour nous. Oui, ma essayé de vérifier ça, mais forme du que situation très tendue au niveau des Delmas. Oui, oui, mets-toi à couvert et puis essaie de vérifier pour nous. Est-ce que y a un journaliste qui t'a touché par Balvoué? Et manifestation qui est déjà en zone Delma 95, mais il y a un pile cartouche, Jean-Pierre Benz Placide, reporter nous sous place, ça fait nous connaître. Mais il y a une nouvelle qui nous veut joindre, nous, il y a un journaliste qui est touché par balle, mais nous pouvons confirmer ça. Seulement, une nouvelle là déjà circulé sur les réseaux sociaux. Pierre Benz, ou avec nous là, ou plus ou moins, quand tu es là? Non, moi là. Voilà. On a fait des tirs. Vladimir, mais c'est pas la police qui a tiré, Pierre Benz. Non, c'est pas la police, c'est pratiquement Delma 95 au côté qui est derrière la boîte. Ok, c'est là que tu veux absorti.
oui, c'est là que tu as sorti. Ok, ça veut dire que tu as sorti. Et côté policier qui t'est accompagné. Non, là, policier, là, yo mette yo à couvert pour yo capable de contre la situation. Mm-hmm. Et pour l'instant, qui est le manifestant? Manifestant, Aller là, dis aller dans quel sens? Aller qui côté? Attends, stop! Comment? Allô? Oui, ou dis pas pour manifester, ou aller qui côté pour aller? Pour continuer chemin? La police a fait aussi aller, continuer par quoi? Et puis, Pierre Benz. Je vais essayer de mettre moi en couvert parce que, comme je travaille extrêmement difficile, moi, c'est pratiquement mon caméra qui est en même temps. En même temps, tout, je vais essayer de me positionner parce que l'image est très importante pour radio, télé, vision. Ok, et nous quittons pour une petite pause. Nous quittons pour une petite pause et puis après, nous retournons à l'eau. Nous quittons pour une petite pause et retournons à l'eau après Pierre Benz. Voilà, et Pierre Benz Placide et qui c'est au porte nous, c'est au caméraman qui trouve le niveau de la 95 et côté manifestation même la progresser vers Pétionville et qui a des situations difficiles pour nous, Vladimir Désir, côté que et a gagné et balle captivée et dans niveau 95 et on côté que l'idée est la pointe. Mm-hmm. Donc a gagné deux balles qui a tiré en direction des manifestants. Et a gagné de manifestants selon sa Pierre Benz Placide et Tabzino qui réagit tout tiré coup droit chandan. Et donc la police et Pierre Benz Tabzino même la police obligé mettre à couvert et pour comment on va baisser gain contrôle situation. Donc de bah qui veut presque dans chaque manifestation mais que autorité policière surtout pas jamais rivé contourner. C'est de qui est grave et vous imaginez presque chaque jour, presque chaque manifestation, situation à déposer dans zone ça même. Oui, mais pas donc, pas jamais une stratégie qui est définie donc pour pour essayer de contourner, pour essayer de faire de la contre. Oui, madame, monsieur, nous avons rentré en contact tout à l'heure avec Pierre Benz Placide pour finir décrire la situation, comment ça a été. Nous avons pris un coup de pause et nous avons tourné. Il y a une délégation américaine qui est pour entrer dans le pays hein, pour venir parler avec différents protagonistes pour connaître. Et qui ça qu'a fait dans crise là déjà bail proposition yo mais nous bien regrette que nous pas arrivé parler avec sénateur en dans opposition institutionnelle là en dans secteur démocratique là et en dans alternative consensuelle là nous présenter des fondamentaux auxquels nous attachons dans bataille ça. D'abord c'est le départ de Jovenel, ensuite c'est la mise en place d'un gouvernement de transition avec une taille réduite de 14 ministres. Ensuite, c'est la conférence nationale souveraine et l'organisation des procès des crimes financiers. C'est ça, nous attachés. Nous ne pouvons pas entrer dans le courant rapide à l'entrée dans l'élection. Parce que c'est toujours comme ça. Chaque fois, le peuple prend la route. Chaque fois, cette petite crise-là, vivait dans un niveau élevé, il a toujours cassé avec l'élection. C'est comme si nous avons un petit monde qui grand goût. Nous voyons l'élection devant nous et puis nous prenons papa nous voyons devant nous manger. Nous disons non, nous ne pouvons pas accepter aucune puissance, aucun pays quel qu'il soit, venir imposer un agenda par là, dans la crise là. Soit ça, pour véritablement nous chita comme peuple, en tant que conférence nationale là, pour nous poser les problèmes économiques de ce pays, les problèmes sociaux auxquels le pays a fait face, les problèmes environnementaux qui ont dépassé le pays. Quoi de problème ça a posé? Nous ne pas quitter aucune puissance d'une escamote de processus là pour conduire une élection pour nous remettre nos pouvoirs ou ensemble de monde qui n'a pas senti que c'est un agenda qui est lié à l'intérêt de la population, à la revendication de la population. Mais est-ce que nous sommes prêts pour nous chiter avec la délégation ça pour nous dire mais qui ça nous pense? Adressez-vous et tentez ensemble une solution pour sortir de la crise à nous la donne.
depuis tantôt de son champ. Mais sénateur, est-ce que nous-mêmes, dans l'opposition, dans le monde qui signe alternative consensuelle, est-ce que nous prêts pour nous rencontrer délégation ça et puis dire mais qui ça nous pensait de crise là? Allô, Vladimir Désir. Oui, vous t'aimez très bien? Non, comme tout que sénateur a pratiquement couru monter dans la machine ni parce que manifestation presque à l'équité pour raison sécuritaire. Le sénateur a obligé de monter machine ni l'aller parce que l'espace côté lié à l'hypalisie que va vraiment sentir que lui en sécurité, Vladimir Désir. Bien d'accord, merci Pierre Benz Placide. Bon, bien regret que nous n'avons pas un sénateur avec nous pour nous définir épuisé et questionnaire ça sur une délégation américaine qui est pour entrer dans le pays. Hein, pour venir chuter à parler avec différents protagonistes pour connaître qui ça qui a fait dans la crise. Il y a déjà des propositions. Mais nous bien regret que nous n'avons pas arrivé à parler avec le sénateur. Mais quand nous avons Pierre Benz Placide, nous allons aller dans la manifestation pour le concilier. Ouais, comment ça a déroulé?